Bien, bien, bonjour à tous les entrepreneurs à succès. Désolé d'avoir une voix un peu particulière, mais nous venons de fêter donc la réussite de la France au championnat du monde de foot. Donc, on est heureux. Et je suis encore plus heureuse aujourd'hui parce que nous venons de finir un séminaire merveilleux, la Z-Express, que nous a offert Paul et Lionel Calderini. Et j'ai réussi à attraper Paul en fin de séminaire, même si nous avons beaucoup donné. Il y a un peu de fatigue derrière, mais quelle belle fatigue. Alors Paul, vraiment merci beaucoup. Écoute, merci Élodie de prendre ce temps avec moi et puis de m'honorer encore. Tu l'as fait beaucoup. C'est une habitude parce que les personnes que j'aime, je me dois les honorer, c'est naturel. Et donc je voulais déjà te remercier de me redonner encore un petit peu de temps ce soir, en after comme ça. Alors, je voulais vraiment partager un moment un peu particulier avec toi, parce qu'on a l'habitude, ça fait plusieurs fois qu'on se fait des entrevues tous les deux, mais ce soir j'avais envie de bifurquer complètement, de sortir un petit peu du cadre, parce que ce week-end particulièrement, j'ai découvert un pôle que je ne connaissais pas encore. Et c'était très important pour moi que ma communauté, puis certainement la tienne, découvre un autre aspect de Paul Pierronnet. Alors, un autre aspect, dans quel sens je l'entends, c'est que je te connaissais sensible, je te connaissais généreux, mais j'avais encore jamais eu les larmes qui montaient en regardant tes expressions de dos quand tu étais sur la scène, parce que ta posture m'a émue. Et vraiment, ce soir, c'est ce que je voulais partager avec les gens qui certainement voient toujours un Paul Pierronnet, donc technicien, PNL, dans un institut, formateur, coach. Voilà. Et cet aspect-là de Paul, je ne le connaissais pas encore. Alors, j'ai très envie de te poser une question. Le Paul Pierronnet d'avant, c'était qui? Alors, il y a eu plusieurs moments. Oui. J'ai d'abord eu un petit polo. C'était entre 0 et 7 ans, qui était un... Moi, j'avais un frère jumeau, je courais partout. Je suis né en communauté, donc je crois que j'ai eu des racines en or, hein. Il y a eu beaucoup d'amour, il y a beaucoup de vertu, il y a beaucoup de diversité. Je vivais dans 900 hectares de terrain, donc c'était énorme. Après, il y a eu polo à la ville, puisque mes parents sont montés sur Grenoble, j'ai vécu dans un quartier un petit peu chaud, hein, qui s'appelle la Villeneuve. Et là, j'ai vraiment connu la polarité opposée, la violence, la drogue. Et donc j'ai commencé par prendre des coups, en fait, en gros. Et puis du coup, à me demander un peu ce que je faisais là. Et ma raison de survivre, en fait, ça a été d'entrer un peu dans ma rage, de réagir, de créer une bande et me défendre, en fait, en gros. Et du coup, j'ai un peu mal viré dans ces années. Et puis après, il y a eu cette rencontre avec un homme qui a marqué ma vie, en tout cas pendant quelques secondes. Il a eu un message incroyable. C'est un homme qui s'appelle Guy Gilbert, prêtre qui bosse avec des loups-bars. Alors moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop. J'ai connu bien après, mais... À ce moment-là, moi, j'étais beaucoup dans ma violence et il dit, c'est pour eux, tu peux continuer à faire tes conneries, mais il y a une chose qui est importante que tu saches, c'est que l'univers va te renvoyer ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu continues à maltraiter ton environnement, c'est lui qui va mal te traiter. Si par contre tu le sers, si tu mets cette rage au service justement d'une cause qui est bonne pour ton environnement, c'est ton environnement qui va vraiment s'occuper de toi et qui va te faire grandir. Alors, ça m'a un peu surpris parce que, en plus de ça, il a rajouté « Et quoi que tu fasses, tu seras aimé. Et je t'aime. » Voilà. Et ça, je pense que ce n'est pas un message que je recevais beaucoup à ce moment-là. Et, allez savoir, quelques temps après, il y a une ouverture qui s'est créée, j'ai commencé à faire du secourisme. Et là, tout d'un coup, c'est un peu comme s'il y avait une brèche dans le barrage et une partie de moi qui a trouvé un sens constructif. Je me suis dit, moi qui souffrais tellement du sentiment d'inutilité, que je me suis engouffré dans cette brèche, en fait, et j'ai commencé à suivre des cours, à me former, on m'a challengé pour aller faire un survie de baignade, moi qui avait une peur de l'eau incroyable. J'ai dit oui, je sais pas pourquoi, et je l'ai fait, je l'ai réussi, ça a été un moment intense parce que j'avais passé tellement d'années à avoir peur, et puis après on m'a challengé sur ce qu'on appelle un BNSSA, c'est un niveau encore au-dessus, puis un maître nageur, enfin bref, il s'est passé des trucs incroyables, et 2 ans et demi après, j'étais maître nageur, après je me suis spécialisé en côte dangereuse, et je pense que je me suis formé en secourisme, j'ai été moniteur fédéral, national, j'ai fait de la plongée, j'ai enseigné la plongée. Enfin, ça a été incroyable l'énergie que j'ai mis, alors que j'étais pas forcément un étudiant très perspicace. Studio, en gros, hein. J'ai refait deux fois ma quatrième, enfin, j'ai eu pas mal de difficultés. Mais il y avait une
un tel engouement pour m'en sortir, pour me sentir encore plus utile. J'ai tout donné en fait dans le sport, dans tout ce qu'il fallait pour me pour réussir en fait cette ambition, parce qu'il y avait en moi, je pense, cette brèche qui s'est ouverte avec cette aspiration d'être utile au monde. Et quand j'ai évolué, je me suis retrouvé à faire du sauvetage en mer, spécialisé en côte dangereuse. Et là, ce qui a été très marquant pour moi, c'est la découverte du développement personnel. D'abord parce que je venais chercher dans les outils, j'avais vu ça, un premier stage, développement personnel, comment mieux communiquer, gérer ses émotions. Je me suis dit, ça va me servir dans mon métier. Et comme je cherchais toujours à aller de plus en plus loin, sauf que je ne m'étais pas du tout rendu compte que j'étais dans une... toujours en fait dans le même scénario, même si j'ai beaucoup réussi, je me définissais beaucoup plus par les résultats que j'obtenais ou je cherchais à obtenir de plus en plus, mais pas parce que j'étais. Et j'étais beaucoup dans cette comparaison, et dès que les autres réussissaient, ça me remettait en cause, enfin voilà. Et le développement personnel m'a ouvert à une autre dimension, c'est à l'amour de moi-même en fait. Okay. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais un peu de reconnaître qui était Paul, le fait que c'est chouette qu'il ait une énergie incroyable, mais au fond que je pouvais profiter du voyage, tout simplement parce que j'étais aimé, non pas pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. Alors je prends là évidemment des raccourcis en disant ça, mais ça a eu un sens très très important. Et encore aujourd'hui, je bénis ce parcours en fait, même s'il a été compliqué parfois. Et je disais encore en fin de conférence, quand je revois toutes ces années, que je me retourne et que je revois ces moments quand j'ai démarré, franchement, j'aurais pas parié grand chose sur mon avenir. Et c'est toujours d'émotion quand j'y repense. Mais je vois, oui. Mais je remercie cette partie de moi qui a accepté de croire qu'il y avait en elle quelque chose de supérieur à la circonstance. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des jeunes, des moins jeunes, je pense à David Laroche que j'ai connu dans des conditions compliquées parce qu'il se sentait trop jeune. Soit je lui dis, mais c'est ta force, mon pote. Ça a toujours été un frère en fait. Et quand je vois son évolution, je suis honoré en fait par ce qu'il fait, ce qu'il transmet. Et dès comme ça, je parle de lui parce qu'il est assez connu, mais sinon, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui, c'est d'amener des gens à croire qu'il y a en eux quelque chose de supérieur à la circonstance, de reconnaître ça et d'organiser leur vie autour de ça en fait. Ok. Mais déjà, tu vois, c'est ce que ça me tenait vraiment à cœur parce que. Alors, je pense que quand même beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui, connaissent un petit peu ton parcours, mais on ne voit le parcours toujours qu'en surface. Mmh. Alors Paul, ça a été un voyou quand il était jeune et puis aujourd'hui il est bien. Ok. Mais il y a encore beaucoup de fragilité. Voilà. Mais c'est ça qui m'importait vraiment de souligner, parce que malgré tout, ton essence, c'est la plus belle des choses que tu arrives à faire vivre, j'allais dire même à faire exister. Quelque part. Parce que ce que tu as communiqué ce week-end, j'étais pas partie pour faire une entrevue dans ce sens-là, tu vois. Mais j'ai tout changé. Parce que tu m'as ébranlée, vraiment, sincèrement. Je te connais donc depuis 2 ans, maintenant 2 ans et demi. J'ai appris en 2 ans et demi à te découvrir et à chaque fois découvrir un angle différent de ta personnalité. Et celle-ci, je ne l'avais pas encore trouvée. Et c'est ce soir que je l'ai vue, je te dis, cette posture que tu avais de dos. Et l'émotion que tu as dégagée sans voir ton visage, elle m'a bluffée. Et je me dis, je pense que la plus belle des réussites, alors tu vas me dire ce que tu en penses, c'est vraiment arriver à se trouver soi-même et à oser être tel que tu as osé l'être ce soir. Parce que je sais à quel point c'est difficile. Alors comment toi, aujourd'hui, tu arrives à oser être de plus en plus, malgré les années, malgré ton expérience? Je pense que c'est la force de l'amour. Mais tu m'as vraiment ému, je suis désolée. Tu vois, encore une fois, c'est chaud, mais c'est comme ça. Y a un homme que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, Robert, de Savoie. Un coucou à Robert. On est bien en entrevue. Hein. Alors là, c'est rare que j'ai des larmes. Mais je pense à Robert parce qu'il m'a vraiment ébranlé de l'intérieur. Je pense qu'il... Même si ça fait longtemps que je fais du développement personnel, bien sûr, j'ai vécu énormément de choses, mais il m'a connecté en fait profondément à l'amour de moi-même en fait. Et je le retrouve de plus en plus en fait. C'est pas que je l'ai perdu, c'est que je le retrouve de plus en plus. Et quand je communique cette émotion, ce qui m'a touché, et que j'aime cet enfant qui était si fragile et qui encore vit de la fragilité parfois,
Bah, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi, en fait. C'est une entrevue, ça, on va faire le buzz. Au moins, Paul, c'était pas prévu. Ouais. Voilà, là, je ne sais pas, on discute, mais je pense que l'émotion, elle a vraiment pris le dessus. Et ça aussi, je voulais vraiment parler avec toi de la vulnérabilité, parce que c'est très difficile d'oser être vulnérable, surtout dans des moments comme ça. Je pense que toi comme moi, si ça avait été ne serait-ce que quelques mois ou quelques années, je serais vite partie éteindre le truc de la caméra en disant on arrête, c'est pas bon. Et je pense que la plus belle des choses, c'est qu'on ose. Et là oui, être vulnérable et verser quelques larmes, parce que on a tous le droit d'oser montrer. Ouais, puis c'est une fragilité qui donne tellement de force, en fait. Et qui permet à tellement de gens de se transformer. C'est ça. Et c'est un beau message aussi. Il y a tellement de gens qui j'ai fait beaucoup d'entrevues ce week-end. Tellement de gens qui se mettent des masques, des filtres, des barrières. Et qui se privent de ça. De cette beauté qu'on peut avoir en osant, ben oui, verser quelques larmes quand l'émotion nous submerge. Dans notre intimité, en fait. C'est ça. Dans notre sensibilité. C'est ça. Et je pense que de toute ma vie, j'ai jamais fait d'entrevue comme ça, mais elle va marquer les esprits, celle-là. Parce que vraiment, Paul, tu vois, on a juste encore une fois échangé, comme d'habitude, on n'est pas dans l'entrevue structurée avec des questions. Je voulais partager ce moment avec toi, mais aussi avec les gens qui nous écoutent, pour montrer simplement que ben, la réussite, elle passe aussi par là. Elle passe pas forcément par des tunnels de vente ou par du marketing, mais je pense que notre essence, c'est l'essence de la réussite. C'est celle qui nous fait grandir. Il nous fait surtout profiter du voyage. Exactement. Et c'était pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à ce week-end-là. Je voulais continuer à transmettre ton message par un petit biais de caméra d'entrevue. Et tu vois, je préfère me laisser submerger par l'émotion et faire voler justement toutes ces belles énergies qui nous ont envahis et qui continuent à nous envahir, parce que c'est quand même, croyez-moi, assez perturbant comme situation. Ça m'était encore jamais arrivé, je vous avoue. Voilà quoi, c'est un grand moment pour moi. Je voulais dire aux gens aussi, et je pense que tu vas suivre ce que je vais dire, que du moins j'allais te poser une question. Paul, aujourd'hui, je pense que tu as cette liberté d'oser verser des larmes, d'oser montrer ta sensibilité. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un vecteur vraiment essentiel pour s'épanouir pleinement dans sa vie ? Je pense que le vecteur qui est sous-jacent, c'est encore une fois la considération qu'on va se porter, en fait, intérieurement. Et que ce soit dans la fragilité, parfois, la peur, la colère, la tristesse, ou simplement dans l'expression du désir, de l'envie, de l'amour, de la joie. Et je crois que c'est ça qui est communiquant. Quand on dit aux gens qu'on les aime, c'est ce qui les touche. C'est ça. Quand on ressent à combien on les aime, c'est ce qui nous touche. Exactement. Et j'écoutais une personne qui disait tout à l'heure, je remercie les gens qui étaient là, qui étaient présents avec moi. J'avais besoin d'une chaise, j'avais les yeux bandés, et tout d'un coup, quelqu'un s'est présenté. Et m'a aidé. Et je remercie cette personne. Et j'avais envie de rajouter, et merci de lui donner l'opportunité de te servir. Parce que moi, je dis toujours que la véritable joie se révèle dans le don qu'on a pour les autres. Et c'est une chose à laquelle je tiens quand je vais me retourner la veille de ma mort. Si je me retourne sur ma vie, j'ai l'occasion de le faire. Je pense que ce qui aura le plus compté pour moi dans ma vie, c'est le sentiment d'utilité, d'avoir pu aider des gens à grandir. Et aujourd'hui, quand j'entends des personnes qui reconnectent avec leurs parents, avec leur passé, avec alors qu'il y avait des conflits depuis des années, et qu'on parle de cette connexion, en fait, d'amour, de considération, à chaque fois je me dis waouh, c'est pour ça que je vis, quoi. Ok. Donc, est-ce que tu estimes que ta mission est accomplie ? Alors, ma mission, c'est un processus en devenir, c'est-à-dire c'est de servir, servir en
en apportant mon humble expérience, connaissance, pratique, etc. En offrant donc aux gens la possibilité de reprendre en vie leur main, en main leur vie. En main leur vie, oui. Et de mettre justement de la considération à l'égard d'eux-mêmes, des autres. Voilà, donc ma mission, elle est constante. Après, je crois que si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, je dois dire que la vie m'a tellement béni, j'ai trop bien vécu pour ne rien regretter. Mais chaque jour qui passe, je le mesure à la qualité de l'échange que j'ai avec les gens, à la profondeur de ce qu'on peut partager et à l'utilité à l'égard de l'environnement. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Yannick Alain dans ce croisement entre ce qui nourrit mon être, voilà, ce qui sert ma mission et ce qui évidemment va m'enrichir dans tous les beaux sens du terme. Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier, moi, pour cette communication. Je suis né en communauté. Je pense que je mourirai en communauté. Et toute ma vie, en fait, je me suis rendu compte que ma plus grande richesse, elle est vraiment dans la qualité de ces moments qu'on partage, en fait. Bah, écoute, Paul, en réalité, je peux te dire que je suis un peu scotché, encore une fois. Donc, interview pas du tout préparée, dans le sens où c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je pense que, encore une fois, mission accomplie, à tous les sens du terme. Merci infiniment. Merci pour la personne que tu es. Et je suis désolée, mais vraiment, merci de tout. J'avais merci déjà plus de voix après le match. Il m'a mis la couche ultime. Donc, j'ai trouvé un ami, un frère, enfin, j'ai trouvé peut-être une partie de moi qui manquait. Paul, merci infiniment. Merci à vous. À bientôt.